Sega. Caporal Dwayne X, TQ40482-15E9 SOS. Mon unité a subi énormément de pertes sur LV-426 et demande des secours immédiats à bord du USS Sulaco. Parmi les survivants, moi-même, deux femmes humaines, dont une enfant, et un synthétique dans un état catastrophique. Considérez tous les marines coloniaux envoyés sur LV-426 comme morts au combat. Je répète, tous les marines envoyés sur LV-426 sont morts au combat. Allez, on se bouge, Marine. C'est pas un exercice. Vous êtes plus à la maison, là. Debout, Marine. Pour les nouvelles recrues, je suis le commandant Cruz. Et vous êtes mon unité sur le USS Sephora. On a répondu à un signal de détresse envoyé il y a 17 semaines par l'USS Sulaco. Rhino 2-3 s'y est rendu et y a rencontré une forte résistance. Vous êtes le dernier bataillon qui sort de Cryo. Alors je veux pas vous entendre vous plaindre, vu qu'on vous a laissé faire la grasse mat. Préparez-vous au combat, et on se retrouve dans le hangar d'ici 20 minutes. Nom et grade ? Caporal Christopher Winter, 118e bataillon affecté à bord de l'USS Sephora. Caporal Winter, j'envoie Rhino 2-1 à la rescousse de 2-3. Comment ça va, fiston ? Je vais bien, chef. Mais je m'inquiète pour 2-3. Tant mieux, parce que vous allez prêter main forte à Rhino 2-1. Ils essaient de récupérer la boîte noire du Sulaco pour qu'on voit ce qui a provoqué tout ça. Que s'est-il passé ici, chef ? C'est chié dessus. Votre attention, équipage de l'USS Sephora ! En ce moment même, Rhino 2-1 et Rhino 2-3 sont en train de se battre pour pouvoir maîtriser la situation. On n'abandonne pas de marine. Dans les deux prochaines heures, nous enverrons une série de transporteurs pour évacuer les blessés de l'USS Sulaco. Chef, le Sulaco a été vu pour la dernière fois sur le Fury 161. Qu'est-ce qu'il fout sur cette planète ? Lieutenant Reed, merci de m'avoir interrompu. On ignore comment ce vaisseau est retourné là-bas. Pour l'instant, on s'occupe de ce qui est en train de tuer nos marines. La situation est incertaine. On aura les infos au fur et à mesure. Allez, bonne chasse, Marine. Jusqu'à la mort ! À la mort ! Écoutez, tout ce que je veux, ce sont des informations. Alors jouez pas trop les héros. Va falloir être mes yeux sur ce coup-là. Vous devez tout me rapporter, que je sache ce que j'affronte. Compris. Dites à Rhino 2-1 que je me rends sur place. Thank you.
Raider 6-5, est-ce que vous avez décollé? Décompression explosive dans le Sulaco. Ici Raider 6-5. Le cordon ombilical se vide dans l'espace. C'est délicat. Délicat? Raider, va falloir être plus précis. Vous avez 20 minutes avant que tout s'effondre. Il faut le fermer. Winter, vous avez entendu la dame? Allez de l'autre côté pour qu'on puisse le fermer. Je continue vers le Sulaco. Winter, terminé. Commandant du Sephora. Ici O'Neill. On a des pertes et plusieurs blessés ici. Il nous faut un infirmier tout de suite pour les marines touchées de Rhino 2-1. Négatif 2-1. Cette explosion a baisé le sas. Impossible d'utiliser le cordon ombilical sans risquer nos vies. Restez sur place et maintenez nos marines en vie. 2-1, quelle est la situation de 2-3? Winter, on dirait qu'il t'a mis dans le même foutoir. Active ton détecteur de mouvement et dis-moi ce que tu vois. Je vous ai tous les deux. Et 2-3 va vers le sud, au-delà du hangar ou de l'ingénierie. Il se déplace? Non. Minute! Je perçois un signal inconnu. Quelque chose en mouvement. Merde. Commandant du Sephora, on dirait que 2-3 maintient sa position. Ou qu'ils sont morts. On détecte des mouvements non identifiés dans la zone. Ils se font peut-être attaquer. Ok. Winter et moi, allons. Merde. Commandant du Sephora, je fonce au point de rendez-vous avec 2-3. Rappelez-vous de pas trop jouer les héros. Terminé. Chef, il y a la moitié d'un synthétique non identifié explosé sur tout le pont. Quelle moitié? La moitié qui dit rien. Alors trouvez-moi celle qui parle. Terminé. Je suis où, là? Winter! Sors ton chalumeau et libère-moi vite de là! Commandant du Sephora, ici Winter. J'ai localisé Keys, de Rhino 2-3. Il y a des cadavres ici. Je sais pas où sont les autres. Il manque encore quelques marines de Rhino 2-3. Ils sont tous morts. Et Garnet. Mort lui aussi. T'en fais pas, je m'occupe de toi. Winter, regroupez ceux que vous trouvez et ramenez-les au hangar, avec le reste de 2-1. N'engagez pas. Ici Keys de 2-1, chef. Notre mission était de récupérer la boîte noire du Sulaco. Je vous ai donné cette mission et c'est tout. Regroupez-vous et revenez. On doit savoir ce qui a causé ça. La boîte noire peut nous le dire, avec tout mon respect, chef. Votre respect, c'est de fermer votre grande gueule et de suivre les ordres. Terminé.
Rien à foutre des ordres. La boîte noire est pas trop loin d'ici. On la chope et on contacte Rhino 2-1. O'Neill, t'es toujours là? Putain, les gars, vous êtes en train de revenir? Non, laisse-nous 10 minutes pour choper la boîte noire d'abord. Nos marines seront pas morts pour rien. 5 minutes pour trouver cette boîte noire et revenir. Case, fais attention à Bella. Jusqu'à la mort, Marine. On fera bien attention. Merci, O'Neill. Je te remercie, Winter. Et si tu vois du mouvement, ne te réfléchis pas. Je tire. Il y a quelque chose ici avec nous. Je ne les laisserai pas m'emporter. Contact! Contact! C'est parti! Ça va? La salle avec la boîte noire est en haut de l'escalier! Je la vois! La console centrale! Prends la boîte noire! On boucle la salle! Chope la boîte noire! On sort dans une minute! Figé! Figé! O'Neill, les données de vol sont en route d'ici 2 minutes. Keith, ouvre l'œil. Affirmatif, Hunter. Mais on fera la fête plus tard. Reviens ici. La boîte noire a sûrement gardé la trace des enculés qui ont fait ça au Sulaco. Si on arrive à la ramener, on va savoir ce qu'on va découvrir. Thank you.
La boîte noire est en route vers le Sephora. On a réussi, les gars. Il est Guérino, on se bouge, allez. Winter, fonce. On a perdu les données de vol. Keys. C'était Keys qui avait la boîte noire. Tout ça pour rien. Ben, on n'est pas mort. Tu vois, c'est déjà ça. Ici le commandant du Sephora 2-1. Que s'est-il passé dans le cordon ombilical? Commandant, je vous reçois bien. On a perdu Keys. On dirait qu'un truc lui a explosé de la poitrine. Winter est avec vous? Oui, chef. Une idée de ce qui lui a fait exploser la poitrine? Toutes nos navettes sont en route pour évacuer les blessés et prêter main forte. Ce qui fait environ 80 marines, mais on doit leur trouver un endroit où atterrir. Le hangar est libre et on a de la place dans la zone de chargement. Compris. On fonce vers la zone de chargement. 2-1, terminé. Il y a quelque chose qui cloche. Par ici! Commandant du Sephora, on envoie l'image. Ça peut pas être du matos de marine coloniale. Il y a le logo de la Welland, chef. Putain de merde. Quoi? La date et l'heure sont notées partout après le signal de détresse de... C'est quoi son nom, déjà? Caporal X. Commandant, ici 2-1. Qu'est-ce que vous en pensez? Chef, il y a quelqu'un d'autre sur ce vaisseau? Bishop, envoie un signal à la Welland. Pas le temps de se poser le cul et de jouer les détectives. Retournez à la zone de chargement, vous deux. Terminé. Merde, on est baisés. Commandant du Sephora, ici Bella de Reno 2-3. Vous me recevez? 5 sur 5, 2-3. Quelle est votre situation? Je me suis réveillée, j'arrivais pas à respirer. Une espèce d'araignée agrippée à mon visage, chef. J'ai été séparée de mon unité. Des nouvelles du reste de mes hommes? Le reste de 2-3 est présumé mort. Désolé, petite. Les rescapés de Reno 2-1 se dirigent vers la zone de chargement. Vous pouvez vous y rendre, 2-3? Garnett? Keys? J'ai du mal à réfléchir, chef. Je ne suis pas sûre de savoir comment y aller. Vous êtes tout ce qui reste de Reno 2-3. Faites au mieux. Revenez ici vivante. Terminé. O'Neill, qu'est-ce qui va pas? On aurait dit Bella. Il y avait un truc entre nous, voilà. Quel genre de truc? Un truc sexuel. Et fous-moi la paix, putain. Thank you.
Commandant du Sulaco, on est arrivé à la zone de chargement. On se rend à la salle des commandes, on peut enfoncer les portes et faire péter ce truc dans l'espace. T'as intérêt à me demander mon avis avant de raconter des conneries. J'ai le commandant avec moi. On approche pour l'atterrissage, Winter. Bien reçu. Compris, Raider. Les portes du hangar se ferment automatiquement. Alors il faut faire vite.
Eh ben, tu parles d'un foutoir. Que tout le monde se cramponne à quelque chose! Je dois vous avertir que Winter m'a fait rayer mon vaisseau préféré, chef. C'est ton seul vaisseau, Reed! On a sécurisé le vaisseau. Ça va grouiller de Marines dans quelques minutes. Faut qu'on retrouve Bella.